mourir? Ben non, il mourra pas. Qui c'est qui t'a dit ça? Ben, le monde. Il est en train de guérir. Il est bien con. C'est normal que le monde dise ça, là. C'est grave ce que j'ai. Tu mourras pas, là. Tu prends plus soin de moi que mes parents ou le docteur. T'es mon ami. Merci de me dire ça, ça m'encourage. Je me force pas, là, je le pense. Je suis content que ça aille mieux avec tes parents. Ça a jamais mal été, là. Je veux dire, c'est entre eux autres que ça va mal. Ben ouais, mais toi, t'en souffres. T'aurais dû voir comment les ducs leur a parlé. Quoi, c'était si pire que ça? Sac pas un peu. C'était rough. Mais en même temps, ça me faisait du bien à moi. C'est comme si tes parents se faisaient punir. Dans le genre, ouais. Ça a marché parce que là, ça se peut. C'est moins compliqué pour moi. J'espère que ça va durer. Ah, pour moi? Non, j'ai pas de mérite. Bernard m'a donné le truc. Ben, tu vas être content? Depuis le temps que tu me le demandais. Aïe! Ah, yeah. C'est bien. Jason. Ah, moi, j'aime ça. Dans mes bras, mon fils. Bien que je t'embrasse. Les anciens chums de ma fille attendaient toujours d'y goûter avant de se prononcer. Oui, et avec raison. Ben c'est ça, dis-donc du mal de mes bines, toi, encore? Ah, pas de panique, j'ai préparé du jambon. Du poulet, Cécile. T'es sûr? Oui, oui, du poulet. J'ai des salades aussi. Ah ben oui, ça, des salades, oui. Ah, on peut s'asseoir? Oui, oui. Bien. Ah, ça va être copieux pour un lunch. Un grand garçon comme Stéphane, ça a besoin de manger. Je me surveille, Virginie a peur que j'engraisse. Mange de beignes. Oh, j'en ai, je vais attendre décongeler. Oh non, non, maman, non. Non, non, laisse-le faire. Tu sais, je tiens à vous dire que j'apprécie beaucoup que vous me fassiez une petite place dans votre famille. Je sais que c'est pas facile pour vous autres. Ah, d'accord, mon garçon, on te doit des excuses. Oui, des vraies excuses. Franchement, là, on n'a pas été correct. Écoutez, je préférais qu'on oublie ça. Oh, c'est grave, c'est sensible. Pose une question, ça te fâche. Je me fâche jamais quand c'est toi. Quoi? Ouais, mais c'est parce que c'est pas vraiment de mes affaires. Puis je veux pas que tu pognes les nerfs. Pas de danger. L'ont-tu pogné celui qui m'en a de la drogue? Celle que t'as prise? Je vais te le dire, mais dis-les pas. C'est le frère de la blonde à Rajout, le gars du cégep. Mais la police attend parce que c'est une famille riche. Le père a une job importante, puis ils veulent pas mettre la marque dans la famille. Pourquoi lui pourrait s'en sortir, puis pas les pauvres? J'ai pas dit qu'il laissait faire, là. Ça prend du temps, c'est tout. Puis rendu là, ça nous regarde plus notre école. Ouais, vu de même. Parlons de belles affaires, OK? Pas de ça, là. C'est quoi pour toi, des belles affaires? Ben, la musique, c'est beau. Toi, tu guéris, ça aussi, c'est beau. Je suis pas guéri encore. Je fais 6 mois de médicaments. Quel médicament? J'ai de la chimio qui appelle, là. C'est ça? Ben, ça doit. Je pensais que t'avais déjà commencé. Je commence, là. Ben, bientôt. Ben là, je me renforce. Pareil, c'est pire que l'opération. Décourage-toi pas, Yannick. C'est 6 mois, puis après, t'es correct. Tu sais à quoi je pense quand je suis bien dans? Non. À toi puis moi, quand on va être riche à cause de l'argent de la compagnie. On va faire des gros parties pour le monde de l'école. Ça va être le fun. Puis quand j'y pense, quand je suis bien, bien fatigué, ça me redonne comme de la force. Sinon... Sinon? C'est super dur. Vraiment super dur. Écoute bien, rendu à notre âge, là, on s'adapte moins vite aux événements, je suis content. Ça n'avait pas l'air de ça, mais l'important pour nous autres, c'est le bonheur de Virginie. Oh, ne faisons pas trop, maman. À votre place, je me donnerai encore un petit peu de temps. Vous me connaissez pas vraiment, alors je pourrais vraiment vous décevoir. C'est pas toi qui nous a fait changer d'idée, c'est Bernard. Bon, papa. Hey, laisse-moi parler. Tu sais, on l'a pas vu changer, cet homme-là. Hein? Puis ça nous avait pris tellement de temps de l'aimer que... On se voyait pas en train de commencer avec un autre. Ça va. Fallait que tu le saches. On s'excuse des mauvais moments qu'on t'a fait passer. Pas te connaître, toi, mais bon, j'ai de l'entraînement. À quoi tu penses? Si. On mange-tu? Peut-être. Comment ça, les inventaires de viande ne balancent pas? Les gâteaux avec? Ouais. Oh, mais jette-en d'autres, moi j'appelle la casse. Hugo Lacasse? C'est moi. Comment va votre rhume? Ah, pas payé, mais là, Linda vient de m'appeler. Problème à cafétéria? Oui, puis non. Pour les repas, là, t'es correct, mais on se fait voler du stock. Du stock? Ben, de la viande, des légumes, des gâteaux, là. Y a quelqu'un qui vole. Qui? Ben, si je le savais, chaud, je t'appellerais pas. Peux-tu checker ça, des fois? Si vous avez du nouveau, n'hésitez pas à m'appeler, je vais y voir. C'est le
La de plus, la de pas de snoozer. Hey, dans la cuisine, toi. Où c'est que t'étais? Je me cachais. T'as fait des dépanneurs, c'est ça? Non. Ça se peut. C'est la gang qui t'a demandé de faire ça? Non. T'as pas fait ça pour l'argent, t'en as plein. Hey, c'était une folerie, là. Oh, bah oui. Ça t'a poigné de même, toi. Tu marchais sur la rue, t'as dit, tiens, c'est cool, m'a fait un dépanneur. Hey! Ah, Virginie, que tu parles, là, c'est à moi. J'en ai élevé trois des comme toi. Sais-tu que j'ai du millage? Sébastien? Oui, puis les autres. Ton père va être content quand il va savoir ça. C'est toi qui fasse, en dame 25 ans. Oh, ben oui. Toi, tu penses que tu comprends tout, hein? Tu penses que c'est toi qui mène le char? T'as 17 ans, trois quarts, tu viens de faire un vol. Tu sais-tu qu'est-ce qui t'attend? Pas si pire que ça. Aurais-tu fait ça avec mes gars bien avant? Ils seraient peut-être en vie à l'heure qui est là. Dis plus jamais que c'est pas si pire de faire des crimes! Tu viens de te mettre un pied dans le piège puis tu ris, Chris, t'as pas de tête! Ah ouais, ça, je sais que j'ai pas de tête, hein, Pamela, c'est dit. Occupez-vous donc d'Amélie puis laissez-moi tranquille. Hey, 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 hey! Dis-moi que c'est pas ça! Dis-moi pas que tu colles Bertillon puis sa gang puis les autres trous de cul qui ont coulé ton pain parce que t'es des complices avec Joël Vert! Il y a deux sortes de monde dans la vie, OK? Il y a ceux qui ont tout puis ceux qui ont rien. Amélie a tout, moi j'ai rien. Ça me dérange pas. Je vais m'en faire une vie, OK? Puis tantôt, là, vous allez toutes me manger dans la main. Hey, mon petit gars, celui qui va me faire manger dans sa main, il est pas encore né. T'en as de l'argent, t'en as bien assez. Finis ton école, mets-toi du plomb dans la tête. Fais pas comme moi, comme Linda, comme ton père. Lève pas le nez si t'as l'oc, mon petit garçon. C'est pas pour le cash. C'est pourquoi? Je vais prendre le contrôle de la gang, là. Puis plus tard, on va leur tenir à te bas. Sacre boy! Mais le 18C que tu dois prendre. Le 14B, c'est pas bon? Je peux pas travailler avec ça, ça me prend trois fois plus de temps. Ah, désolée. Ah, la bureaucratie est beaucoup plus complexe dans une grande école publique comme la nôtre que dans un petit collège privé comme Sainte-Véronique. Ah, mais c'est beaucoup plus exigeant de travailler ici comme professeur que de directrice chez nous. Chez vous? Ah, j'ai encore le réflexe de dire chez nous quand je parle de Sainte-Véronique. Bon, c'est normal. Yolande? Oh, j'arrive, j'arrive. C'est qui ce beau morceau-là? C'est une religieuse. Ce que je donnerais pour être un cierge. Pas là, lui. C'est mon adjoint. Pas besoin de lui. Pourquoi? Y a-tu des secrets, là? C'est entre Michel et moi, pas toi. Ah, bah, ben, regarde, c'est correct, Hugo. Je m'arrange. Bon. Non, c'est-tu parce qu'on a eu trop ou pas assez que les gays marchent tous de même? Je veux que Yolande soit là, j'insiste. C'est à huis clos. Non, c'est prendre des notes. C'est ma mémoire. Puis y a pas plus discrète qu'elle, là. OK, mais s'il y a des fuites, je pourrais toujours la mettre dehors. Ah. Tu vas aller te dénoncer. Non. Pourquoi t'es venu ici? J'avais pas d'autre place où aller. C'était tombé sur mon mot? Pasteur, là. Ben là, tu savais pas que j'avais le rhume? Je t'ai appliqué une clé. Pas la première fois que tu viens ici? Troisième, dans le jour. D'habitude, y a personne. Écoute-moi bien, là. T'es capable de m'écouter, m'entends-tu? Ah, ouais. Tu te trouves gros comme un camion, mais t'es encore un kid. C'est ça que tu penses, toi? Ils vont te passer. Je te donne pas deux semaines, puis t'es mort. Tu dis ça pour me faire peur. Ça marche pas. Si je te dis pourquoi qu'ils vont le faire, hein? Ils vont faire de la peine à ton père, ils savent comment ils t'aiment. Si c'était ça, là, ils tueraient Amélie, pas moi. Ils t'aiment ton père. Ils t'aiment mal, mais ils t'aiment pareil. Toi, tu le vois pas, c'est correct. Ils vont pas passer une petite fille straight pour empoigner pour 25 ans. Ils sont en train de t'entraîner dans merde pour que quand tu vas râler dans le dalou avec ton sang qui part dans l'égout, le monde, ils vont dire, ah, ben oui, Pierre-Paul, on le savait, on s'en attendait. Le juge, il va se dire, c'est un pauvre petit gars qui a juste ce qu'il mérite. Puis s'ils finissent par trouver le responsable, puis si c'est pas un bœuf, ça va finir en homicide involontaire ou ben en acquittement. Je vois pas ça de même, moi. Je vois pas ça de même, toi. Si je te dis que les bœufs te regardent aller puis qu'ils te laissent faire, pour pogner Bertillon pis les autres, que ton père le sait, que De Blois le sait, mais qu'ils laissent tout faire parce qu'ils peuvent pas rien faire. Tu rêves. Linda a baisé dans la roulette avec ton père, il a tout dit. La seule chance qui nous reste, c'est que t'allumes dans ta tête. Les bœufs, ils protègent l'argent de ton père. Mais le deal, c'est qu'il fait rien pour nuire à cause de la couronne contre de Bertillon. Père, il fait ça. Il m'a laissé aller. Ton père, il compte sur nous autres pour te passer le message. Quand Bertillon, il va savoir ce qui se passe, parce qu'il va finir par le savoir. C'est pas en Harley que tu vas rouler, Pierre-Paul. C'est encore billard. Si je résume bien ce que tu me dis, tu me proposes de payer le voyage qui t'amène à l'abattoir. Je
te demande de me permettre de faire ça dans la dignité. Un suicide assisté, quoi. La dignité, René. La dignité. C'est tout ce que je demande. D'accord, ça, sais-tu? Ouais, c'est triste pour tout le monde. C'est sûr que c'est plus... que Hugo, il est plus émotif que les autres. Non, on sait bien. Pas rien que... D'accord, il est en place. Non seulement ça me dérange pas, mais je trouve que c'est un excellent choix. Évidemment, sa mère pourra pas rester comme adjointe à la direction. Si M. Rivet s'en va, moi aussi, je pars. Non, mais prenez-le pas personnel, mais une direction mère-fils, faut pas bien m'essayer. Mon choix est fait. Ça me laisse un drôle de goût dans la bouche. Quoi? Que t'acceptes aussi facilement. Non, je te dis pas que c'était facile au début, mais qu'est-ce que tu veux? À force de réfléchir, on se fait une raison. Mmh. Aussi sereinement, aussi rapidement. Tu te méfies, quoi? Que j'ai des raisons de me méfier? Non, non, de toute façon, ça fait partie de ta description de tâche. Très bon, très, très bon. Je te demande une chose. En fait, deux. C'est pas mère et monde. Que mon projet soit implanté avant mon départ en juin et que je puisse recevoir un peu des crédits. Comment? Je veux que notre document soit publié dans le réseau avec nos deux noms. Je peux pas. Et pourquoi pas? C'est le travail de M. Rivet et de Hugo qui est contenu là-dedans. Ça me prend d'autres noms. Faut que le nom de Lacaille soit dessus. Pierre, il n'y a pas participé. Madame, je vous parle pas. Si vous n'êtes pas capable de faire la différence entre votre poste d'adjointe à la direction et vos relations familiales, sortez. Non, 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 c'est bon. Va pour la caille. Ça me prend un autre nom. Lequel? Le mien. C'est vrai, j'en ai fait voir de toutes les couleurs. Oh, oui. Oh, tu te souviens de la voiture parfaite. Quand tu l'avais son bruit tout nu. C'est quoi? C'est quoi ça? Tout au début de notre relation ici. Moi, j'avais donné une clé à ma mère qu'elle vient de faire leur passage à la maison. Mais Bernard, là, ça va pas. Fait que, elle arrive. Elle a surpris. Flambant nu dans la cuisine. Ta mère, elle faisait leur passage toute nue? Mais non! Mais non! Moi, quand je fais mon repassage, je prends pas de chance, hein, je mets un costume de bain. Ça. Anyway, Cécile, 3 minutes après, ça ne rappelle de rien. Je vais vous servir. Non, non, reste assise. On a quelque chose d'important à vous dire. Ah oui? De très important. Vous allez vous marier? Oh non, non. Puis de toute façon, je peux pas me marier à l'église, tu le sais. Ah oui, mais c'est quoi d'abord, là? On veut avoir un petit bébé. Oh, que je suis contente! Salut, Jean. Est-ce que je peux m'asseoir avec vous ça? Ben oui. Jette parler à tes parents, tu peux faire le camp musical. Ils se sont entendus pour séparer les frères. Puis toi, mon champion, t'as l'air en forme? Ah oui. Je voulais savoir, peux-tu faire un don à l'école? Un don? Ah oui, mais quand je vais avoir mes millions, j'aimerais ça en donner à l'école. Parce que vous avez été tellement fin avec moi pour financer les activités, ça me ferait plaisir. Ce serait très généreux de ta part. Ne me sens pas trop, là, il t'en restera plus. J'aime mieux avoir des amis que de l'argent. Yannick, les amis, tu les as. T'as pas besoin de les acheter. Mais oui, Ghislaine est une femme admirable, très, très spontanée. Vous avez l'air de beaucoup l'aimer. Ah, ben oui, j'avoue, c'est vrai, je m'entends bien avec elle. Ça te fait rire. Je pense que les sentiments sont réciproques. Penses-tu? Sœur Jacinthe m'a dit que Sœur Cormier allait sortir de la communauté. Mais là, cet office, elle va un peu loin, là. C'est pas ça, les secrets? Que j'ai dit à Daniel? Mais non! Dites-les-moi. Je vais vous dire si vous avez raison d'avoir honte. Mais là, je ne sais pas si je dois me confier là-dessus à toi. C'est tellement... J'ai tout entendu dans ma courte vie. Il n'y a plus rien qui peut me surprendre. Bien, c'est-à-dire que... J'ai avoué à Daniel avoir été à quelques reprises dans des moments de grande solitude. Oui. Avoir été visiter des sites à contenu sexuel sur l'Internet. Oh! Oui, pas souvent. Pas souvent. Et puis, peut-être, quelques professionnels. Ben, 2 ou 3 prises. Oh. Bon. Je pense que je vais aller préparer mon cours. C'est de la bullshit, ça. Tu penses que j'invente ça? Tu me dis des affaires que je peux pas vérifier. OK, je peux pas en parler à Deblois, à mon père. Mais pourquoi je te dirais des affaires de même si c'était pas vrai? Pour que je me rende à la police? Je te veux du mal, moi, Pierre-Paul. Je suis méchante avec toi. Peut-être que pour toi, c'est pas du mal, OK, mais pour moi, ça en est. OK. Mettons qu'on le prend pour tout seul, là. Mettons, là. Ça n'a pas d'allure, qu'est-ce que je te dis? Pas trop. Pourquoi? Parce qu'ils ont pas besoin d'attendre pour me passer, si c'est vrai ce que tu dis, juste à le faire tout de suite. Ça s'en vient. T'as pas peur? Non, parce qu'ils sont fins avec moi. Calvin, ils sont fins avec toi. Oui. C'est comme ma deuxième famille. OK, tu sais-tu quoi? Je me sens plus aimé par eux autres que par vous autres. Ils essayent pas de me changer, eux autres, ils m'aiment comme je suis. C'est sûr. Ils sont un sac de ton avenir. Vu que dans leur tête, t'es fini.
Notre projet sur le passage du Nord-Ouest a été accepté par la direction. On va constituer des équipes pour le scinder en plusieurs parties. Mettez-vous deux par deux, je vais vous expliquer. Aurais-je dû lui dire de telles choses? Je me suis couvert de ridicule. Ben non. Hein? C'est quoi qui te dérange? D'avoir dit à une bonne sœur que t'avais des érections? Sans doute pas, déjà. Qui me parle? Est-ce toi, Seigneur? J'ai une voix d'enfant de cœur. Serait-ce? Le diable, lui-même en personne. C'est quoi ton problème? T'es pas le premier à aller aux putes et sur les sites de sexe. Mais c'est moralement indéfendable. Tu l'as dit toi-même, dans un moment de faiblesse. Et puis l'autre, là, l'ange cornu, tu l'as pas sauté, peut-être? Daniel Courtemanche, oui, mais c'était dans le contexte d'une relation amoureuse. Arrête donc ça, tu l'as sauté pour le sexe. D'ailleurs, moi, à ta place, c'est pas la vieille rabougrie que je me taperais, c'est Rosemary. Ça, mon vieux, c'est full hormone. T'allumes ça, ça s'éteint pas. Je rejette totalement cette idée. Ben oui. Puis moi, je viens d'où tu penses. Je suis pas une création de ta conscience. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. En équipe de deux. En équipe de quatre. Ce serait mieux. Pardon. Je pensais jamais que tu dirais oui à ça. Y a pas de honte d'avoir mon nom à côté de celui d'un futur ministre de l'Éducation? Flatte-moi donc. J'ai-tu l'air d'avoir un morceau de fromage dans le bec? Moi, je le connais, il est sincère. Moi aussi. J'ai pas écrit une ligne de ce document-là. Il met mon nom dedans. Il doit avoir une crosse dedans. Je sais pas quoi, mais il m'a trouvé. En attendant... Ah! Lui, je l'aime. Hein? Il vient travailler gratis. Ça va, Julien? Oui, oui, un petit coup de chaleur. Je suis sorti du cours de Rosemary pour m'aérer. Le zèle au meilleur prix, s'en fait plus des comme lui. Non, l'argent n'est pas tout. Je retire moult bénéfices en plus d'une grande satisfaction personnelle. Moult bénéfices. C'est ça que ça nous prend, des professeurs bénévoles qui parlent comme dans le temps des Trois Mousquetaires. Je te rappelle. Tout ça à cause de ton père? Je m'aime pas. Mais pourquoi tu dis ça? Toi-même, tu l'as dit tantôt, OK, il m'aurait laissé passer si c'était pas de toi. C'est pas ça que je t'ai dit. Oui, c'est ça que tu m'as dit. Je suis pas con, Loulou, OK? Je le sais bien. Tu sais bien quoi? Que Pam aimerait mieux que je meure plutôt qu'Amélie. Ah oui, donc penses-tu que c'est un choix, ça, choisir entre ces deux enfants? T'es ben trop jeune, tu n'as jamais eu pour penser de même. Hey, OK, je me connais, moi, OK? Puis je sais comment il y a avec moi, puis je sais comment il y a avec elle. Puis le reste, il me dit pas que les bœufs me laissent faire. Je te l'ai dit, pourquoi? Pour protéger le cash d'Amélie, j'ai compris. Ton père, mon petit loup, là, il te voyait comme si t'étais lui. Tu comprends-tu? T'es comme un autre lui-même. Moi, je le sais qu'il t'aime. C'est lui-même dans toi qui aime pas. Ça le fait souffrir de voir que t'es comme lui. Tu le comprends-tu, ça? Je comprends. Je suis pas d'accord. Christy, que ta tête dure. Amélie est pas menaçante. C'est une fille. Elle est trop straight pour être vraie. C'est comme une étrangère. C'est pour ça qu'elle, tu veux l'adopter, puis pas moi. Qui c'est? Voudrais-tu que je t'adopte, toi, avec? Non. J'ai besoin de personne, moi. Si j'avais le choix d'en tuer un de vous deux, je sais pas ce que je ferais, mais pour adopter, je le sais. C'est toi. Toi, t'as besoin de moi bien plus qu'Amélie. Bien plus, mon petit loup. Le soleil de ma journée. Merci. Mais c'est moi qui te remercie. Pas pour ça, là. Pour ce que t'as fait pour moi quand j'avais pris de la drogue. Puis pour Vincent aussi. C'est toi qui m'as amené dans sa classe. Faux. C'est toi qui m'as donné l'idée. Tu prends jamais ton mérite, hein, toi? Oui. Dans vos sourires. Depuis que mes parents sont venus, j'ai le goût de pleurer. Pleurer de joie, là. Avant, je pleurais pas. J'étais comme Julie. Je comprends. À cette heure, j'ai le goût de réussir. On a-tu le temps d'ici la fin de l'année? Oui, on va le prendre, le temps. On va le faire. OK, OK, la pierre philosophale, le vrou rouge, la dernière étape, mais je comprends pas pareil. Avec toutes vos paraboles, je comprends pas. J'ai réussi à faire mettre ton nom sur le document, avec celui de Ouellette puis de Lacaille. Le document va se promener partout dans le réseau avec ton nom dessus. Ton avenir est assuré, mon bon Hugo. Je te dois bien ça.